On va maintenant recevoir un jeune Anglais qu'on aime beaucoup ici. Il a fait sa toute première télé mondiale dans le Petit Journal le 13 novembre 2015. Il avait 16 ans. Voici Declan McKenna. Bonsoir, bienvenue. Inès, Declan, welcome. How are you? Well, ça va bien. Ça va bien. Re-bienvenue. Ça va bien. Re-bienvenue. Alors, vous connaissez, si vous avez envie de ressembler à un Parisien, je vous offre ce livre-là, hop, par exemple. Ça, si vous avez envie de ressembler à un Parisien. Mais le cycle anglais, c'est quand même pas mal. Thank you. Merci beaucoup. La salopette, c'est chouette. Yeah, thank you. I've gone for comfortable today. Ouais, j'ai décidé de prendre quelque chose de confortable aujourd'hui, surtout le confort. Oui, non, mais c'est rigolo. Alors, dans un instant, vous serez sur la scène de Quotidien pour chanter votre nouveau single qui s'appelle The Kids Don't Wanna Come Home. Et voici l'album, il est là. Pourquoi cette image, Declan? C'est bizarre parce que ça vous ressemble pas. Oui, il y a plein de gens qui disent ça, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est vrai qu'on me l'a déjà dit. Moi, je voulais quelque chose qui soit un petit peu plein de sueur, un peu crade, comme si je descendais de scène avec le maquillage qui coule, quelque chose entre la perfection et la saleté. Et puis, cette image, finalement, résume tout ça, même si c'est vrai que ça ne me ressemble pas trop que ça. Vous êtes fan de foot et en même temps, vous aimez vous maquiller. Et c'est rare pour qu'on le souligne et qu'on vous applaudisse pour ça. Donc, bravo. Vous aimez les hommes qui se maquillent? Oui, pourquoi pas. David Bowie se maquillait, par exemple. Justement, c'est un grand fan de David Bowie. Mm. Ouais. Là, d'ailleurs, vous lui rendez hommage, ici. Vous pouvez en dire un mot de David Bowie? Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré au cours de ma vie. C'est un artiste que j'admire beaucoup. Quand on vient de Londres ou des alentours de Londres, forcément, c'est une personne qu'on admire et qu'on veut copier. Declan, sur votre Instagram, il y a une vidéo qu'on va voir. Cette vidéo tournée par votre grande sœur et vous avez 4 ans. And I'm gonna sing my new album. Rien à faire des bagnoles, vous, c'est la musique. Votre première télé, donc, c'était dans le studio d'à côté, là, à Paris. C'est quoi le mieux pour choper quand on a 16 ans? Être joueur de foot ou être rocker? Well, a musician, obviously. Le fait d'être musicien, c'est ce qu'il y a de mieux pour choper, n'est-ce pas? Et depuis, il s'en est passé des choses, des festivals, des late shows. Declan McKenna! Les textes de votre album sont hyper engagés, comme Brésil sur la corruption pendant la Coupe du Monde au Brésil. Paracétamol sur le suicide d'une jeune trans. Eisenbart sur les violences policières. Et en 2016, en plein référendum sur le Brexit, vous avez fait ça chez Jules Holland, un des plus gros shows du Royaume-Uni, avec ce t-shirt. Il y a écrit ceci, donner le droit de vote à partir de 17 ans. That was a fun performance. Ouais, ça c'était marrant. Vous le pensez vraiment? Que si le droit de vote avait été donné aux personnes, aux mineurs, il n'y aurait pas eu le Brexit en Angleterre? Mais écoutez, je pense qu'à l'époque, moi j'avais 17 ans et j'avais l'impression de passer un petit peu à côté de quelque chose. Maintenant j'ai 18 ans, j'ai l'âge de voter et puis bon, le Brexit est passé et puis moi ça m'est passé un peu sous le nez, j'ai pas vraiment eu mon mot à dire. Je suis un petit peu frustré parce que je pense que j'ai mon mot à dire et que des millions de jeunes pensent comme moi, donc c'est quand même important, je pense. Merci beaucoup en tout cas d'être revenu ici sur le plateau, Declan McKenna. Je vous en prie, allez sur la scène de Quotidien. Avec The Kids Don't Wanna Come Home, extrait de l'album que j'ai ici. Vous le connaissiez ou pas? Ouais, Brésil, bien sûr. Vous connaissiez? Eh bien, écoutez, il met sa guitare. Declan, quand vous êtes prêt, c'est quand vous voulez. I guess I could start to
guess I could sleep on it. Oh, hey there, kids and thugs, your neighbors complained if you don't know where they come from. I guess it's just bad advice for someone so helpless and good. So maybe just ask twice. I'm not afraid.
Jacqueline McKenna, l'album, c'est celui-ci. Il s'appelle What Do You Think About The Car. Il est disponible partout. Merci. On retrouve Inès de la Fessange, quand on revient. À tout de suite. Merci de regarder Quotidien. Nous sommes avec Inès de la Fressange qui va élire le plus parisien. Et Declan McKenna, re-bienvenue, merci pour le live de tout à l'heure. Allez le voir sur mytf1.fr parce que le live est super bien et puis l'album est super bien de Declan, donc merci beaucoup. Et vous avez accepté de faire la météo tout à l'heure, donc yes. Vous irez faire la météo, c'est ça? I will be, yeah. Oui, oui, absolument. Qui aime plus. Merci Jonathan Lambert. Il le fait super bien, hein. Incroyable. Le déhancer comme ça? Oh, ouais, c'est exactement ça. Parce qu'il avait un peu peur en coulisses et finalement il a bien réussi. Carrière ratée. Mais il s'est trompé sur un truc, le chocolat Lanvin, ça n'avait aucun rapport avec la maison Lanvin. Ils avaient trouvé un mannequin génial, c'était sa Madame Dali. Il tenait à cette blague. Mais oui, mais erreur totale. Declan, vous aimez beaucoup vous jeter dans le public, vous savez, vous faites comme ça là. Ça s'appelle le crowd surfing. On va voir des images. Pourquoi vous aimez ça? C'est rigolo. Bah, écoutez, la première fois que je l'ai fait, c'était à Glastonbury il y a 2 ans. Et vous kiffez? Bah ouais, j'adore, c'est vrai, c'est très libérateur, il y a des gens qui vous tiennent, alors parfois je tombe sur les gens et je leur fais un petit peu mal et c'est un petit peu gênant, c'est pas facile toujours de s'en sortir, mais bon, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir libre, comme si vous voliez, puis on peut faire un petit tour comme ça, voir ce qui se passe derrière. Alors en revanche, il faut faire attention parce qu'en France, ça ne marche pas à tous les coups. Vous connaissez Scheim? Non? Ben regardez, il faut faire attention. Voilà. Il faut faire très attention. Elle va bien, mais elle est tombée. Voilà. Vous avez... allez-y pour la météo. Declan McKenna. On va voir. Ah oui, il a... Alors, on a eu peur que le vert de votre t-shirt soit transparent, mais en fait, non, ça va très bien, ça va très bien. Mais c'est quoi, c'est quoi votre t-shirt, en fait? C'est la petite sirène. It's the little mermaid. Oui, c'est la petite sirène. We got Ariel. Ah ben voilà. C'est la petite sirène. Donc allez-y, Declan McKenna pour la météo. Tomorrow morning will be very cloudy along a great deal of the country. In the afternoon, the sky tends to clear on the Atlantic coast, along the Mediterranean basin and the east. But it's still raining from Burgundy to the Alps, wherever they are, somewhere. It's 9 in Brest and Strasbourg, 23 in Lyon, and 17 in Nice in the morning. In the afternoon, 16 in Aurillac, 21 in Paris, and 25 in Montpellier. Now, let's now take a look to the weather forecast in Hertfordshire, my hometown, north of London. It's 19, which is surprising, because we don't have summer there. Thank you very much. Merci, Declan McKenna, d'être venu sur le plateau de Quotidien. Inès, on va voir le remake d'une image mythique de la mode dans le petit cul. C'est avec vous, dit papa.